Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nuance Report. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Mais cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si nous vous parlons aujourd'hui, mes frères et sœurs, du monde des sirènes. Le monde des sirènes, à quoi est-ce que ça ressemble? À quoi ressemble le monde des sirènes? Avant de chercher à savoir à quoi ressemble le monde des sirènes, nous devons d'abord chercher à savoir que c'est quoi une sirène. C'est qui cette créature que les gens adorent la plupart du temps dans l'industrie de la musique et même du divertissement? Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Une sirène, si vous voulez savoir, mes frères et sœurs, c'est un démon. Là, c'est facile. À quoi elle ressemble? Elle ressemble à une femme avec une queue de poisson. D'où vient-elle? Il y a eu un combat dans le ciel, on nous a dit que le diable est descendu du ciel avec ses hommes. Et certains sont tombés dans les forêts, d'autres ailleurs, je ne sais même pas où encore même. Mais il y a certains parmi eux qui sont tombés tout simplement dans l'eau. Voilà, ils sont tombés un peu partout, mais certains sont tombés aussi dans l'eau. Et il y a ceux qui sont tombés dans l'eau là. Il y a certains qui sont appelés des sirènes. Voilà, les sirènes. Et quand c'est un mâle, on l'appelle un triton. Une femme sirène, un homme triton. Bon, c'est comme ça s'appelle. C'est-à-dire un homme qui a une queue de poisson. Et ces espèces-là existent. On n'y croyait pas avant. Mais quand on a reçu des témoignages par rapport à cela, et nous avons vu des gens me représenter et parler de ces sirènes-là, c'est là que nous avons compris que, effectivement, ces créatures qu'on néglige sont réelles et viennent même sur la terre pour nous faire des choses bizarres. Et dans différentes régions ou encore peuples, on lui donne un nom. En Afrique, on appelle les sirènes les Mamiwata. En Europe, on appelle bien entendu les sirènes. C'est le nom qu'on appelle les sirènes. Et ces sirènes-là, elles existent bel et bien. Ce que nous devons savoir également, c'est que ces sirènes, ont la queue de poisson uniquement que lors des invocations. Mais en temps réel, elles peuvent également avoir les jambes d'une femme. C'est-à-dire qu'elles peuvent être comme une femme ordinaire. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est exactement ça. Et cette sirène-là peut même venir dans ce monde. Les témoins que nous avons reçus nous ont révélé que la plupart du temps, les sirènes quittent leur monde et viennent le samedi ici. Mais à quoi ressemble le monde? D'après les informations que nous avons reçues des anges satanistes, ils nous ont dit que le monde des sirènes ressemble à un endroit vraiment très beau. Et là-bas, la technologie est très avancée. À la fin de cette vidéo, une vidéo va apparaître là où vous allez voir une sirène. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le sujet. On dit que ça s'apparente à un univers vraiment très beau. Et là-bas, la technologie est très avancée, plus avancée même qu'avancée. Et ce qui est vraiment étrange là-bas, c'est que on retrouve tout ce que nous avons aussi dans notre monde là-bas. Il y a des belles voitures, il y a des belles maisons, il y a des ordinateurs. Et on nous dit même qu'il y a certaines personnes qui sont des satanistes qui sont dans la technologie, qui vont tout simplement prendre des informations là-bas sur des nouvelles technologies pour tout simplement venir nous les communiquer ici. Ça veut dire que quand un grand smartphone doit sortir là, ils vont tout simplement dans le monde des sirènes pour prendre des docs, des informations, pour venir nous les transmettre ici. Et c'est une belle technologie. On nous a même dit même que certains ordinateurs qui sont là-bas. Bon, qui sait, peut-être que le premier ordinateur a été conçu là-bas avant que ça apparaisse dans notre monde. C'est possible. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce que nous voulons vous dire, mes frères et sœurs, ce que nous allons vous dire, c'est que il y a vraiment des choses vraiment bizarres qui se produisent. Et ce que moi-même j'ai remarqué, c'est que nous avons reçu des témoignages, même qu'on puisse aller plus loin pour nous dire que dans le monde des sirènes, il y a des usines. Et des usines de fabrication des produits de beauté, les maquillages, tous ces make-up, on nous dit même que ça vient de là-bas, que c'est là-bas même la source. La source
Ça provient tout simplement du monde des sirènes des eaux. Et chaque sirène est responsable d'une chose, c'est-à-dire de la chose qu'elle fabrique. Il y a la sirène qui est responsable d'un tatouage. Ou bien un triton qui est responsable d'un tatouage. Lui, son travail, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent se tatouer. Et il a inventé toutes ces histoires-là. Ça fait que quand tu te tatoues une sirène sur toi, par exemple, automatiquement, tu es en train de l'honorer. Et le problème est que quand tu l'honores, c'est comme quand on va dire que tu es en train d'adorer le diable. Et quiconque adore le diable, adore la bête. La bête dont on nous parle dans la parole de Dieu, là, pour nous dire, les gens adoreront la bête, ils recevront la Marc 666. Voilà, les gens ont déjà commencé à adorer le diable. Ils ont déjà commencé à adorer cette bête-là. Et ça se matérialise au travers de tout ce que nous sommes en train de même de vous répéter ici. Et ça, c'est vraiment grave. Le témoin qui va apparaître jusqu'à la fin de cette vidéo, ceux qui ont regardé le dernier témoin puissant, c'est-à-dire le témoin puissant d'hier, ils ont tous compris que effectivement, ce monde des sirènes existe. Un enfant celle-ci est conduit avec son père. Et il a vu des choses qu'il nous a révélées. Et vous devez savoir cela. Maintenant, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons découvert par rapport à cette histoire? Moi, j'ai vu un jour en songe, de ma propre vie, j'ai vu un truc qui s'apparente fortement à ce que les gens racontent. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le monde des sirènes se trouve dans l'eau. Effectivement, ça se trouve dans les eaux. Là où il y a une étendue d'eau, les sirènes sont là. Mais l'espace occupé par les eaux, le plus grand espace occupé par les eaux, sont en partie occupés par les sirènes. C'est-à-dire, c'est où le plus grand espace occupé par les eaux? On va dire quoi? On va dire que c'est l'espace occupé par l'océan, ou encore les océans. Voilà. Les sirènes, la majeure partie du temps, et leur monde se trouve là-bas, dans l'océan Atlantique. Vous voyez, c'est dans l'océan Atlantique que le monde est carrément basé, situé. On nous dit même qu'il y a le temple du diable là-bas. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous commencez à comprendre. Et c'est vrai. Quand j'ai eu ce songe, ça m'a tellement dépassé que je l'ai même écrit quelque part. Voici ce qui s'est passé. Après plusieurs aventures, nous nous sommes retrouvés sur la plage. Et on pouvait voir de l'eau. Tout à coup, ça n'a même pas mis du temps. C'est-à-dire, en fait, ça n'a pas mis du temps. Nous avons vu une goutte se frayer. C'est-à-dire, une route apparaître, un chemin apparaître dans cette étendue d'eau-là. J'entends que tu es à la plage. Et tu vois la mer. En même temps, il y a une route qui se crée au milieu, comme au temps de Moïse. Là. Mais sauf que c'était tellement naturel que on pouvait voir que de l'eau on pouvait voir que l'étendue d'eau était positionnée comme si ça se trouvait à gauche et que la tête se trouvait à droite et que tu pouvais toujours continuer à marcher. C'était comme ça. Exactement comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là on se retrouvait même dans leur monde. Où on cherchait maintenant à entrer dans leur monde. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que quand vous vous approchez, vous allez un peu plus loin, vous voyez que dans de l'eau là, effectivement, vous pouvez trouver des gens en train de nager. Des gens qui sont en train de nager. Et ce sont des gens en particulier de belles femmes. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Vous voyez en particulier de belles femmes qui sont en train de nager. Elles sont en train de prendre un bain. Elles sont en train de faire de telles choses. Et tu peux même voir même une petite sirène qui est là. Mais tu peux pas te dire que c'est une sirène tout de suite parce que elles sont comme des humains. Mais le problème c'est qu'elles sont tellement belles que vous ne pouvez pas vous imaginer que ce sont des sirènes. Elles sont plus belles que belles.
Et elles sont là comme ça. Et il y a une porte qui s'est ouverte. Et cette porte qui s'est ouverte là, nous a permis d'entrer dans un endroit différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ça nous a transporté directement dans un autre endroit où on pouvait tout simplement voir d'autres femmes. Mais le problème avec ces femmes-là, c'est que les langues n'étaient pas comme pour nous. Les langues, c'était à la place de la langue, c'était des petits poissons qui étaient là. Un petit poisson à la place de la langue. Waouh! C'est un tel songe que nous avons réussi un jour. Vraiment, c'est assez compliqué. Mais c'est le songe que nous avons reçu. Et on nous dit que ça, ce n'est pas loin d'être le monde des sirènes. Ceux à qui nous avons expliqué ça, ils ont dit qu'effectivement, vu la description de ce genre d'histoire, c'est fort probable que ce que nous venons de voir, ça soit l'illustration ou encore juste une appréciation, juste une image, une petite partie de ce qui se passe concrètement dans ce monde. Et que ce monde est réel. Et ce qui est étrange, c'est que dans ce monde-là, les gens vivaient comme nous. Ils avaient des copines, les gens s'habillaient de façon sexy, ils avaient des mini, les gens même avaient des voitures. Il n'y a pas de différence. C'est pratiquement même, on peut dire même dit que c'est la même chose, quoi. Moi, je n'ai pas vu de différence. Mais le problème est que quand ces créatures du monde internet quittent leur monde pour venir ici, c'est pas bon du tout. Et on a appris même là de ces témoins puissants que quand ces créatures-là quittent leur monde, puisqu'elles arrivent ici, la première chose qu'elles chercheront à faire, c'est d'avoir les rapports sexuels avec les humains. Même que pour qu'elles puissent se multiplier. Parce que les démons veulent être plus nombreux que nous, de plus en plus nombreux que nous, même s'ils le sont déjà. Ils veulent toujours se multiplier, toujours se développer. C'est à ce moment-là, tous ceux qui se masturbent seront dans les problèmes parce que quand on se masturbe avec au moins 600 démons. Ce sont les témoins puissants que nous ont révélé cela. Tu te masturbes avec 600 créatures bizarres. Et ces créatures avec qui tu fais les choses-là, tu ne les vois même pas. Mais tu es en train de faire des enfants avec ces telles créatures. Qui l'aurait cru? Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'effectivement, tout ce que les gens racontent sur les Mami Wata, toutes ces histoires, c'est vrai. Et quand on regarde même la manière dont les gens sont en train de chanter Mami Wata, est-ce que vous avez déjà regardé un clip, une chanson où quelqu'un chante pour Mami Wata? Ou même pour une sirène? Il y a plein de chansons aujourd'hui. Comment ça s'appelle? On dit que ce sont des chansons d'amour, celui-là il chante pour telle femme, et puis il dit carrément même Mami Wata. Ou même dit une sirène. Ah! Quand tu entends ça, tu sais clairement qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et tu sais qu'effectivement, c'est une sirène même qui est là. Et c'est une sirène, on parle. Et les sirènes, on nous a dit que, c'est d'après la description d'un ex-sataniste, il nous a clairement dit que la sirène, elle est comme une femme qui n'a pas d'os. Non, mais c'est pas clair. Une femme qui n'a pas d'os. Il n'y a pas d'ossement dans ses os, il n'y a pas d'ossement dans sa chair. Ça va bien chez toi. Comme nous, c'est pas possible. C'est comme ça qu'elle est conçue. Et elle est vraiment bizarre. Si nous vous avons à parler, mes frères et sœurs, nous vous amenons même à découvrir ces choses, c'est parce que ceux qui se masturbent avec elle. Et vous devez arrêter la masturbation. La femme avec qui vous masturbez là, c'est elle-là même qui a la base de vos problèmes. Mes frères et sœurs, vous devez découvrir qui sont vos ennemis afin de bien les combattre. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, nous ferons cette journée. Dans les vidéos vont venir, peut-être que nous parlerons encore des sirènes, mais il le faut. Parce que quand j'ai regardé les derniers clips sortis, vraiment, je me suis rappelé qu'effectivement, les sirènes travaillent. Parce que quand tu regardes un clip et tu vois une femme qui est nue dans les clips, il faut tout de suite te mettre en tête que c'est une sirène, il s'agit. C'est une sirène que tu honorais parce que tous les vêtements sexy, on voit la sensualité, les produits de beauté, toutes ces histoires. Mes frères et sœurs, les choses sont claires. Le diable, c'est de mensonge de travailler
pour communiquer toutes ces informations au sommet afin que ces gars-là puissent les mettre dans les prix. Même les utiliser sur la terre. Ah, merci mes frères, c'est de regarder cette vidéo. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Soyez prêts. Avec les chaussures, bah, et on se reprend. Voilà. Si vous avez été impressionné, si vous avez des choses à ajouster, réagissez à partir des commentaires. On vous attend. Prenez soin de vous.